cette voiture quand même. Elle a marqué les esprits. Dans les années 70, 60, on en voyait plein des R8. Comme les Clio aujourd'hui d'ailleurs. Les Clio, les Twingo. Ok, donc cette R8, elle est sortie de mémoire, la R8 est sortie en 1962. Et elle avait, c'était une première cette voiture. Qu'est-ce qu'elle avait en grande série pour la première fois que les autres n'avaient pas, la R8? On va demander au public d'un certain âge, qu'est-ce qu'elle avait cette Renault 8 que les autres n'avaient pas à l'époque? Les 4 à 10. Les 4 à 10. Bon, mais ça, c'était pas une avancée. Hein. Comment? Ça, c'était pas. Les 90, c'était une première sur une voiture de série. Avant, il y a eu la DS, qui a eu les premiers freins à disque à l'avant. Et la Renault 8, c'est la première voiture à avoir des freins à disque sur les 4 roues. Hein, on appelait ça des étriers flottants. Ah, on les voit bien, les étriers. Et d'ailleurs, les derniers modèles, hein, je pense, reviendront à des freins à tambour à l'arrière, parce qu'on s'apercevait que 4 freins à disque sur une petite voiture comme ça, c'était pas forcément utile. Mais à l'époque, ils ont fait de la pub, pas mal de pubs sur ces 4 freins à disque. Donc, la R8, quand elle sort en 1962, elle succède à quoi? Elle succède à quelle voiture? À quel modèle? On en parlait tout à l'heure. Dauphine. La Dauphine, qui elle-même avait succédé à la 4 chevaux. Donc, c'était une voiture... Même architecture, le moteur était à l'arrière. C'est ouvert. Le moteur était à l'arrière. Et vous avez vu, sur la dernière Twingo, le moteur, il est où? À l'arrière. Il est à l'arrière. Il n'y a pas un qui suit. Il n'y en a pas un qui suit. Vous n'avez pas vu que sur les dernières Twingo, le moteur, il est à l'arrière? Pourtant, on avait dit, jamais on fera des voitures à moteur arrière. Et bien aujourd'hui, si. On s'est aperçu que c'était assez compact quand même. Voilà. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de marques qui avaient des modèles populaires avec des moteurs arrière. Tous les constructeurs pratiquement avaient un modèle à propulsion avec un moteur arrière. Hein, je peux citer Simca avec la Simca 1000, pas mal de Fiat aussi, la Fiat 500, il ne doit rien avoir ici. Je ne vais pas tous les énumérer. La Coccinelle qui avait un moteur arrière. Bon, beaucoup de véhicules populaires avaient un moteur arrière. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la ligne route, c'était pas terrible. Et pourtant, ça a formé toute une école de futurs pilotes à l'époque, notamment avec la R8 Gordini, qui a gagné de nombreux rallyes. Et après, la marque Alpine, qui était issue de la même... Même les Dauphines. Les Dauphines aussi, ouais, ouais. J'en ai une comme ça. Et la Caravelle, parce que j'ai eu une Caravelle quand j'étais plus jeune, c'était le même principe. Donc cette voiture, elle est dans très bon état, dis donc. Quelle année celle-ci? 1965. Donc elle a un modèle, c'est un modèle 4 vitesses. Comme on disait tout à l'heure, les premiers modèles n'avaient que 3 vitesses. Ensuite, il y a eu 4 vitesses. Et c'est vrai que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de modèles au début des années 60 qui n'avaient que 3 vitesses. C'est Simca, je crois, qui était un des premiers à mettre 4 vitesses sur ses voitures, mais beaucoup de modèles n'avaient que 3 vitesses. Les Dauphines et les 4 chevaux n'avaient que 3 vitesses. À partir de la R8, ça a évolué. Donc ce moteur est à l'arrière, comme je le disais. Donc le moteur est en porte-à-faux à l'arrière. La boîte, elle est devant. Enfin, derrière, si vous voulez, ça dépend en quel sens on se met. Et le radiateur se trouve à l'arrière. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. L'air rentre par ici. Refroidit le radiateur en passant par là. Le ventilateur qui se trouve là aspire l'air et l'air ressort par en bas, vous voyez? Regardez en dessous. Regardez cette plaque en dessous là. L'air ressort par là. Donc vous avez bien compris le cheminement pour refroidir le moteur, ça rentre par là, ça passe par là, c'est aspiré par le ventilateur et ça ressort par en dessous. Voilà, c'était le principe et ça marchait très très bien. Alors bien sûr, les voitures qui ont un moteur à l'arrière, il est où mon propriétaire? Je l'ai perdu. Ah, je parle beaucoup pour l'instant, mais je vais te donner la parole après. Donc, bien sûr, le coffre à bagages se trouve à l'avant, ce qui fait qu'on a un avant qui est assez léger. Alors, souvent, les gens à l'époque, ils mettaient quoi à l'avant? Un sac de sable. Et qu'est-ce qui se produisait après? Ça faisait pourrir le plancher. L'humidité s'installait, et puis bon,
Eh ouais. Sinon, on pourrait mettre une gueuse aussi, une gueuse en plomb ou en béton, à l'intérieur de la route de secours. Parce que la route de secours, elle se trouve où? La route de secours. En dessous. En dessous. Et voilà, elle se trouve là. Je crois qu'il y a une petite patte, hein. On tire sur une patte. Et tu peux le faire? Baisser la patte. Ah, il est dur. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Il y a une petite patte, on tire dessus, ça, ça bascule, et on tire la route de secours comme un tiroir. Bah, c'est pour ça que la forme du pare-choc est particulière, pour laisser de la place à ce truc de secours. Voilà, c'est pour équilibrer à peu près les masses. On peut ouvrir le coffre à l'avant? Je connais bien ces voitures-là. Je n'ai pas une R8, mais j'ai une Renault 10. Et par l'autre côté, je te laisse faire. Tu mets mes outils dedans, comme ça, ça fait du... Ah, tu mets tes outils dedans, ça fait un peu... Ah, ça fait du poids, du coup. La batterie, bien sûr, est à l'avant aussi pour essayer d'équilibrer les masses. Voilà. Alors, on peut quand même en mettre pas mal de bagages dans cette voiture, quand même. Il y avait des valises, c'était bien rangé, on en mettait pas mal. Hein. Et de toute façon, quand il n'y avait plus de place dans le coffre, on mettait sur le toit, la galerie. Il y avait beaucoup de voitures qui avaient des galeries. Maintenant, c'est un peu perdu de mode. Et il restait aussi, là, éventuellement, la petite remorque. Voilà, tout le capot avant bascule, vous voyez. Et là, on a tous les niveaux de frein. Là, le lave-glace, c'est un luxe, hein, le lave-glace. C'est quoi? C'est une pompe encore? Ah oui. Voilà. Je me permets de mettre tout volant. On a un intérieur en simili rouge, qui est vraiment en très bon état, je trouve. Donc, bien sûr, les tableaux de bord à l'époque, ils étaient assez simplistes. On n'avait pas grand-chose. Hein. On a le compteur de vitesse. On a bien sûr la jauge à essence, parce que ça, c'est obligatoire. Le compteur kilométrique. Là, on doit avoir un témoin de refroidissement. On n'a même plus de jauge, on a un témoin. Le clignotant doit être ici. Et là, c'est le voyant d'huile ou de phare. Je ne sais plus. Voilà, on n'a pas grand-chose. La pompe de lave-glace, c'est ça. On pompe. Hein, c'est manuel. Il faut pomper, comme disaient les Shaddock. Là, ça doit être... rappelle-moi, j'ai oublié. Ici, c'est les veilleuses. Ce sont les veilleuses. Les essuie-glaces. Ah, les essuie-glaces. Les essuie-glaces. Ok. Là, on a un interrupteur. Explique. C'est les feux. Les feux, et après on bascule ici, là c'est les feux classiques, après voilà. On bascule pour feux de route et position. Alors. D'accord. Et en dessous, on a un petit, c'est pour les feux de stationnement en fait. Vous ah, à l'époque on avait des feux de stationnement latéraux, ah, c'est ça, voilà. Ce qu'on voit sur le côté. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que quand on se garait des fois à cheval sur un trottoir, et bien le côté route, on l'éclairait. Et on a le droit de se garer en campagne carrément au bord de la route à condition d'avoir les feux de stationnement. C'est vrai. Voilà. Voilà. C'est un peu perdu de... Le klaxon, il est toujours au milieu, non, non. Il est pas... Ah non, il est là. Beau. Voilà, fonctionne. Petite boîte à gants. Bon, t'as mis quelque chose, voilà. Il est caché, au moins voilà. On le voit pas. Voilà, hein, c'est, voilà. Fait pour. C'est fait pour. Le chauffage est là. Oui. Hein, et on a ensuite des vitres descendantes. Par contre, à l'arrière, on a des vitres coulissantes. Comment ça marche, les vitres coulissantes? On tire comme ça et on fait glisser. Ah ouais, bah voilà, à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça déjà sur les 4 chevaux, je crois, sur les Dauphines. On a une plage arrière qui est assez creuse, hein, vu qu'on a de la place. Alors, on va parler de ta voiture. On a des cendriers également, hein, chose que ça c'est rare de... Alors, cette voiture, alors, tu parles, c'est par les formes. Et en fait, mon papa a eu une R8, sa première voiture. Il s'est marié avec et je l'ai tellement entendu parler, la R8, que je m'étais toujours dit, quand j'aurai 18 ans, m'achèterai une R8. Ouais. Et j'avais beau chercher, j'avais pas le financement. Ouais. Et j'ai trouvé. C'est pas très cher une Renault 8. Non, mais bah, en non. État, quand on a 18 ans, on vient de commencer à travailler. Et du coup, j'ai acheté un lot de deux R8 en fait. Et t'en as fait une avec deux? J'en ai fait une avec deux. j'ai eu 2 ans en fait à faire que tous les week-ends dessus. Et en fait, un jour, j'ai croisé un monsieur qui était malade et qui m'a dit, qui était en vacances en Bretagne, et il m'a dit, moi j'ai une R8 chez moi et elle me sert plus. Et du coup, il me dit, j'habite Pau. Si tu viens la chercher dans la semaine, elle est à Pau, carrément. J'ai été la chercher, il n'y avait plus de frein. On l'a ramené par la route. Mais la toi, tu n'as pas donné ici? Ah ouais. Non, tu as vendu un petit prix. Un petit prix. D'accord. Donc tu as fait la route jusqu'à Pau, voilà. Sans savoir ce que tu allais trouver. Sans savoir ce que j'allais trouver. D'accord, avec un plateau bien sûr. Oui. Ouais. Et donc quand tu es arrivé là-bas, tu as flashé? J'ai flashé, la voiture elle était dans son jus comme ça. Ouais. En fait, il y avait les gens bien sûr qui ont été repeints et tout. Ouais. Et avec Elle était telle qu'on la voit là. Telle qu'elle a. Sauf les gens que tu as repeints, oui, ça se voit. Voilà. C'est tout. T'as fait... Le moteur était comme ça, tout ça.
Oh là là. Et le kilométrage réel de cette voiture c'est celui qui est encore au compteur. Voilà. Donc je vais regarder le compteur. Ah, combien ? Le compteur m'indique, non, c'est pas possible. Le monsieur l'a acheté neuve et ouais. En fait, elle lui servait que pour sortir dimanche pour aller à la messe. D'accord. Alors bien sûr, c'est un compteur à 5 chiffres. Bon, c'est marqué 19 000 km. Je ne pense pas. Je pense qu'elle a dû faire un tour. Mais 119 000, ça reste correct quand même pour une voiture qui est vraiment dans un état superbe. Il y a juste quelques joints qu'il faudrait peut-être changer. Mais vraiment, l'intérieur rouge est super bien conservé. Ah ouais, faut pas y toucher. Tu as quel âge ? C'est indiscret de te demander. 30 ans. 30 ans ? Donc, tu es 18 ans en ce moment derrière toi déjà. Et tu as acheté ça parce que ton papa, t'a tellement parlé de la Renault 8. Ouais. Et le jour où tu l'as acheté, donc il était content ton papa ? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Et en fait, cette voiture, elle reste principalement la semaine chez mes parents. Et je vais la chercher chez mes parents le week-end. Parce qu'en fait, je veux que mon papa la conduise au maximum pour avoir le souvenir de mon papa. C'est gentil, ça. Hein, c'est gentil. Hein. Franchement, c'est très, très gentil. Et en 2017, ils font leur Nosor. Donc en 2016, donc cette année, voire début d'année 2017, elle part en restauration, les joints, la peinture. Tout le reste, tout ce qui reste à faire. Voilà, pour leur Nosor. Oh, c'est gentil. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi. Donc comme je disais tout à l'heure, la R8, elle a marqué les esprits. Elle est sortie en 62. Les derniers modèles sont sortis en 72. Elle a été fabriquée aussi au Portugal. Et c'est une voiture qui a marqué les Français. Hein, les Français ont beaucoup utilisé la R8. La Renault 10 qui en dérivait également, comme beaucoup de Renault d'ailleurs à l'époque. Hein, les Français aimaient beaucoup les Renault. Et cette voiture-là, ça fait plaisir de la voir dans cet état-là et de continuer à faire rouler ce genre de voiture. Merci à toi. Bravo encore, je peux dire. C'est une magnifique Renault 8. Voilà. On va continuer avec un équipage maintenant.